Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Karim Benzema, les gars. Karim Benzema a encore fermé la bouche. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo ici, non pas du foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est fun et parti. Alors, Karim Benzema, les gars, c'est un mec qui a. Il a crevé le camp. Il a crevé le camp. Au point où son entraîneur, Carlo Ancelotti, a dit que pour lui, il mérite encore un poteau au Ballon d'Or. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais. Il y a un mec qui m'a dit en commentaire que même Kylian Mbappé est favori pour le Ballon d'Or. Kylian Mbappé, moi je n'y crois pas une seule seconde parce que, première des choses, il joue dans le même club que Léo Messi. Et Léo Messi a remporté une Coupe du Monde plus que lui. Donc, tout ce que Kylian Mbappé a gagné en club, Messi l'a également gagné. En plus de cela, Messi a remporté une Coupe du Monde. Donc, moi je ne crois pas au fait que Kylian Mbappé va remporter le Ballon d'Or. Pour moi, le principal favori pour le Ballon d'Or, c'est Messi. Messi, pour moi, c'est le principal favori pour le Ballon d'Or. Donc, il faudra vraiment que Kylian Mbappé et Erling Haaland fassent une saison incroyable. Sinon, moi, je n'y crois pas. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.